Le cordon est autour de l'enfant. Le cordon est autour du cou de l'enfant. Et à chaque fois qu'un j'accouche, on provoque, donc la terme dépasse, on provoque. Donc je n'aimerais pas que cela se passe encore dans ma vie, Daddy. Vous m'avez connu comment? À travers la télé, et je venais aussi de temps en temps ici. D'accord. Oui, Daddy. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que j'accouche dans de très bonnes conditions et pas que le terme aussi se dépasse. Je pose une question à l'église. Est-ce qu'on peut prier et le cordon quitte le cou de l'enfant? Est-ce que ce miracle est possible? Est-ce que c'est possible? Qui croit en ça? Tendons la main vers elle. Maman, nous allons prier. 7 jours après, parce que vous êtes déjà, je vois, grossesse de 9 mois. Vous êtes à 9 mois. Oui, Daddy. D'accord. Nous allons prier. 7 jours, on prend 7 jours, 3 jours. 3 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Vous partez voir le même docteur. Dis-lui de vous faire refaire le même examen. De faire la même échographie. Est-ce que vous comprenez? Oui, Daddy. Votre mari, c'est lui ici. Oui, c'est lui. Il s'appelle comment? Dodo David. Hein? Dodo Doutier David. Et il n'est pas venu avec vous, pourquoi? Non, lui ne vient pas ici. Vous connaissez la dame ici? C'est ma mère. D'accord. Fine. Maman va prier. Maman, we will pray. Jésus-Christ est mort pour nous. Jesus Christ died. Vous allez partir à l'hôpital. Vous retournez dans votre centre de santé. Vous retournez dans votre centre de santé. Vous retournez là-bas. Vous partez avec Alimato. Partez avec Alimato. Vous choisissez. Vous voulez partir avec qui? Alimato? Bon, je n'ai pas d'Alimato à côté de moi. Vous n'avez pas d'Alimato? Oui, Daddy. No. Ok. Fine. Vous partez avec Alimato? You will go with Alimato. Ou? Or? Ramato? Ramato. Non, j'ai ma petite soeur qui quitte aujourd'hui pour arriver ici. Elle se nomme Bintou. Non, non, non. No, 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 no. Je répète. I say it again. Vous partez avec Alimato? Alimato. Ou vous partez avec Ramatou? Ramatou. Ou vous partez avec Abiba? Oui, Daddy. Ne dis pas oui. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Vous ne comprenez pas. Je vais vous montrer ce que j'ai dit. I will show you what I'm saying. Est-ce qu'on aide les prophètes? Do we help prophets? Il y a quelque chose qui va se passer. J'ai vu des amis à vous. Vous avez une amie qu'on appelle Ramato. Vous avez aussi une amie qu'on appelait Alima. Oui, Daddy. Vous avez une autre amie qu'on appelle Abiba. Oui, Daddy. Oui, Daddy. Maintenant, vous voulez laquelle? Parce que celle que vous choisissez va vous appeler. Elle va venir mercredi pour vous accompagner. Je choisis Alima. Vous choisissez Alima. You chose Alima. Elle ne comprenait pas au début. She couldn't understand in the beginning. Et si on n'aide pas les prophètes? Here we don't help prophets. Elle dit, oh non, moi je n'ai pas Alima. No! I don't have Alima, no. Hi, hi, hi. Hi. Elle a choisi qui? Who did she choose? Alima. Quand un prophète te parle, when a prophet ne dis pas je ne connais pas, je ne connais pas. Non. No. Sois en paix. Be in peace. Si tu ne comprends pas, dis je ne comprends you pas. See, prophète, éclairez-moi. Prophète. Et on va t'aider. And they will help you. Seigneur, nom souverain de Jésus. Lord, in the sovereign name of Jesus, que le miracle se produise. The miracle be produced. Qu'une anomalie miraculeuse se manifeste dans sa vie. Be manifested in her life. Que l'enfant détache le cordon. Bébé, dégage-toi de ce cordon. Nous t'apportons l'aide prophétique et l'aide divine au nom souverain de Jésus. Amen. Détache le cordon. Dégage-toi de ce cordon ombilical autour de ton cou. Amen. Nous déclarons que mercredi, 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 Wednesday, mercredi, Wednesday, mercredi, Wednesday, l'enfant-ci, this child,
est libre. Is free. Amen. Au nom de Jésus. In Amen. The name of Jesus. Vous allez dans un hôpital islamique. Oui, daddy. Oui, daddy. A étudié. A étudié. Oui, daddy. Vous êtes allé là-bas. Vous êtes allé là-bas. Oui, daddy. Vous savez pourquoi je demande? Non, daddy. Vous allez retourner là-bas. D'accord, daddy. Parce que quand je suis arrivé, l'Esprit de Dieu m'a fait entrer. J'ai vu l'hôpital islamique où vous faites les examens. Oui, daddy. Et j'ai vu dans la course, il y a un petit box. Quand on entre, il y a un petit box. C'est comme, mais avec la vitre, hein. Oui, il y a une fille qui s'assoit souvent là, oui, qu'on appelle Asana. Oui, daddy. Zarami wa inhaslami. Retournez là-bas. D'accord, daddy. Vous allez partir, vous allez voir Asana et vous allez lui dire de vous faire l'échographie. Elle va écrire, elle va vous envoyer. Et vous envoyez, faire l'échographie. Partez faire l'échographie. D'accord, daddy. Votre mari. Oui, daddy. Dis-lui. Je l'ai vu travailler. Mais je l'ai vu en contact avec un homme musulman. Oui. Bon, il travaille avec le ministre de sport. Il est son garde du corps. D'accord. Fine. Dis-lui que j'ai dit. Oui, daddy. Qu'il y a un problème. Oui, daddy. Quelqu'un qui est en train d'avoir de mauvaises pensées sur lui. Qu'on appelle Kabiru. Dis-lui ça. Écrivez ça. Kabiru. N'oubliez pas. Kabiru. Dis-lui ça. Merci, daddy. Qui se méfie? D'accord, daddy. Vous retournez à Sanato. Elle va vous faire faire. Et c'est bon. Merci, daddy. L'enfant, si c'est moi-même qui le consacre à Dieu. Merci, amen.